Bonjour à tous, Mickaël Cyr, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en complément avec l'entraînement à haute intensité pour les jambes, nous allons maintenant faire la version haut de corps. Donc, pensez à prendre votre propre musique pour plus de dynamisme et à tous, bon entraînement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Nous allons débuter l'échauffement cette fois-ci avec un petit jogging léger ou marche sur place. Donc, on veut activer la fréquence cardiaque. On veut l'augmenter au-delà de 100 battements par minute. Donc, pour l'échauffement aujourd'hui, nous allons spécifier au niveau du haut de corps. Donc, on va commencer avec les bras à hauteur des épaules. Cette fois-ci, rotation vers l'avant. Un rythme léger. Donc, on veut échauffer les articulations de l'épaule. Donc, l'articulation de l'épaule qui comprend, entre autres, la tête humérale aussi. Donc, le dessus de ce numérus, donc le bras. Maintenant, vers l'arrière. Excellent. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On accélère un petit jogging avec les bras en alternance. Donc, les coudes avant-arrière. On garde le rythme. Comme vous voyez à ma droite, il y a une chaise aussi, donc regardez-la près de vous, vous en aurez de besoin. Allez, allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, maintenant les bras de haut en bas, donc en alternance. Et c'est parti, allez, encore quelques secondes. On garde le rythme. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, cette fois-ci, les pieds alignés aux hanches. Je viens pencher mon buste et jambes vers l'avant, donc j'engage mes abdos, fessiers vers l'arrière. Vous pouvez utiliser aussi des poids légers pour l'exercice ou encore sans poids. Donc, venez tirer les coudes vers le haut. On engage les omoplates rapprochées et on descend. Encore 5. Allez, 4. Dans 3. Et dans 2. Dans 1. Excellent. Cette fois-ci, sur les genoux, position push-up. Donc, on fait attention avec les charges qui sont près de nous. Donc, on s'installe, on descend. Donc, on push-up dans 5. Donc, en engageant les abdos, les pectoraux au sol, on remonte. Hop. Dans 4. Hop. Dans 3. Hop. Dans 2. Hop. Vous pouvez aussi aller voir l'exercice pour mobilité de l'épaule, donc une vidéo YouTube pour aller chercher un petit peu plus d'amplitude aussi pour augmenter l'échauffement. Donc on continue encore une fois les bras croisés. Maintenant les bras en alternance, comme ça ici. Allez, allez, on refait croisé. Une, deux, trois, croisé vers le haut, en bas. Et maintenant, on tourne avec des légères rotations vers l'avant, de bonnes rotations, une bonne amplitude. Encore une fois, cette fois-ci, vers l'arrière. Dans 2, 1. Excellent. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez aller voir exercice mobilité de l'épaule pour accentuer l'amplitude de vos épaules avant l'exercice. Maintenant, l'échauffement est terminé. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez faire, vous allez avoir 4 blocs total à faire. Chaque bloc comprend 4 exercices de 1 minute par exercice. Vous avez un minimum de 40 secondes d'effort à faire par exercice et un 20 secondes de pause également.
Vous aussi changer pour 50 secondes ou faire la minute au complet. Donc, pour les 4 premiers exercices, vous allez vous placer soit au sol en position push-up sur les genoux ou sur le bout des pieds. Vous descendez soit push-up normal ou l'option push-up explosif. Donc, hop, le plus rapidement possible. Donc, on veut que ce soit le plus intensément possible. Ensuite, vous vous relevez directement debout et vous faites ce qu'on appelle sur l'échelle. Donc, le plus rapidement possible pendant 40 secondes minimum jusqu'à 1 minute. Ensuite, pour le reste, je vais vous l'expliquer. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous démontrer et vous continuer pendant les exercices. Donc, dans 2, 1, c'est parti. Push-up, pompe explosive ou pompe normale pendant 1 minute maximum, minimum 40 secondes, 20 secondes d'effort. Si vous avez besoin d'une pause, vous le faites. Engagez les abdos, les mains sous les épaules. Et on est parti encore pour minimum 20 secondes. Allez, on garde le rythme. C'est le plus intense possible. Allez, on lâche pas. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de chaise pour la première séquence. Elle va venir plus tard. Donc, encore 4, 3, 2. Vous voulez continuer encore 10 secondes ou 20 secondes, vous le faites. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer la suite des choses. Donc, on continue de le faire. On regarde, cette fois-ci, échelle le plus rapidement possible. Donc, je vais amener mon poids le plus haut et je le descends en alternance. Donc, on fait ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On respire. On regarde le dos droit. Minimum 40 secondes d'effort. Le plus intensément possible. Maximum de 1 minute. Allez, on regarde le rythme. Encore minimum 30 secondes. Let's go. On lâche pas. Allez, on est capable. On regarde le rythme. Tu veux lever déjà un peu plus haut pour plus d'intensité? Vas-y. Allez. Woo! On respire. On regarde le rythme. Encore 10. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, excellent. On continue encore pour ceux qui veulent le faire, sinon on me regarde. Donc, les pieds alignés aux hanches. Viens pencher mon buste légèrement comme à l'échauffement. Tirade. Je redescends et les bras à la hauteur de la tête. Donc, on se redresse. Canne de conserve ou des poids. Et c'est parti. Allez, on monte. On monte. Coude, bras, coude, bras. Allez-y vraiment avec des poids légers. On veut une belle vitesse d'exécution. On ne veut pas forcer. L'exercice un petit peu moins intense que l'autre, mais il est payant. Allez, allez. Si jamais vous commencez à avoir de douleur au niveau lombaire, vous vous redressez à chaque fois que vous tirez, hop, comme ceci, et on redescend. C'est également permis. On respire. Encore 2. 1. Excellent. On dépose. Et le dernier exercice que vous pouvez faire, soit avec vos poids au-dessus de la tête, mais je ne peux pas recommander. Allez-y sinon sur le côté. Donc, tirade. 20 secondes minimum d'un côté, 20 secondes de l'autre. Assure d'avoir un abdo engagé, abdo droit. Et là, c'est parti. Triceps. Wouh! Pendant minimum 20 secondes par côté. Vous pouvez faire aussi minimum 25 ou encore 30 secondes. Allez, de mon côté, je vais changer dans 2, 1. Let's go, on lâche pas. Ouh! C'est la dernière minute avant la pause, donc profitez-en. On est capable. On garde le dos droit. Abdos engagés. Allez. Je peux en faire encore 10 secondes de chaque côté, alors je change de côté et je repars. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, dernier 10 secondes avant la pause. Dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouh! Première minute, premier bloc de complété. Donc, félicitations, on se voit pour le deuxième.
Excellent, maintenant le premier bloc est terminé, nous allons enchaîner pour le deuxième bloc. Donc, même principe, 40 secondes d'effort minimum et 20 secondes de pause, ou 50, 10 ou la minute au complet. Donc, en position push-up, cette fois-ci, je vais vous montrer de face, donc sur les genoux ou sur les orteils. Je vais passer large et ensuite je propulse, hop, vers l'intérieur, rapproché. Extérieur, intérieur, pour aussi le faire en alternance, toujours en contact au sol. Ensuite, pour le deuxième exercice, on retombe sur les échelles, donc le plus rapidement possible. Ensuite, pour le prochain, donc alternance pour les niveaux des tirades. Donc, tirade, on alterne avec les épaules, l'autre côté, et on le fait en même temps, à notre rythme. Et ensuite, on va terminer avec la planche triceps. On va y revenir. Donc, on va commencer dans 2, 1. C'est parti. Allez, intérieur, extérieur, pendant un minimum de 40 secondes. On peut aussi faire à genoux ou encore en alternance, comme ça ici, toujours avec un contact des mains au sol. Allez, on ne lâche pas. Encore 20 secondes minimum. Donc, je rappelle, rapprocher. Extérieur, donc les doigts pointés vers l'avant, vers moi en l'occurrence. Allez. On lâche pas encore 10. Ou encore en poussant dans 6, 5, 4. Vous voulez faire la minute au complet, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, on regarde, donc on se rappelle, on est debout et le plus rapidement possible pendant un bon 40 secondes minimum. Donc on commence dans 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le plus rapidement possible. Les genoux vers le haut. Allez, allez, allez. On lâche pas. On garde le rythme. Let's go. On est capable. Minimum de 40 secondes d'effort. Allez, let's go. Vous êtes capable. On garde le rythme. Seulement le deuxième bloc. Allez, minimum encore 20 secondes d'effort. Wouh! Allez. On respire. Ça va bien. On y va là encore 5, minimum 4, 3, 2. Vous allez en faire plus. Vous voulez en faire plus, 50 secondes ou la minute complète. Donc, je rappelle pour l'exercice suivant. On ramène les coudes. Donc, une fois. Alternance bras gauche ou bras droit. On change de côté. Et les deux en même temps, à votre propre rythme, allez-y, sur votre propre tempo. On commence dans 2, 1, c'est parti. Tirade, bras gauche ou droit, on change, les deux en même temps. Donc, tirade en même temps, bras droit, bras gauche ou l'inverse, et en même temps. Vous pouvez aussi faire tirade, vous levez les bras, et en même temps. Donc, vous voyez, les charges sont vraiment légères. On ne veut pas prendre des charges trop lourdes. On veut garder une bonne exécution. Les abdos engagés. Encore minimum 10 secondes. Wow, là, je l'ai fait alterner. C'est permis. J'ai changé un peu les exercices. Mais l'important, c'est de rester droit. Hop, hop, hop. Excellent. Donc, encore 20 secondes pour le prochain exercice. Donc, planche triceps. C'est soit en position planche, coude, coude, remonte, remonte. Allez-y, les pieds larges ou les genoux larges pendant une minute. C'est parti. Descends, descends, remonte, remonte. Descends, descends, remonte, remonte. Vous remarquez que mon posture est vraiment le plus droit possible. Donc, si je balance de gauche à droite, c'est pas l'idéal. Donc, on veut avoir les abdos engagés. Hop, down, hop, hop. Descends, descends, monte, monte. Et on lâche pas. Allez. Descends, descends. Hop, hop. Descends, descends. Hop, hop. Vous êtes capable, gang. Je sais que vous êtes capable. Let's go. Hop. Monte, monte. Descends, descends. Monte, monte. Vous voulez arrêter à 40 secondes, c'est permis. Sinon, on le fait jusqu'à la fin. Allez, allez. Wouh. Encore quelques secondes. On garde le rythme. Descends, descends, monte, monte, descends, descends, monte, monte. En 5, 4, 3, 2, 1.
Yes! Deuxième bloc de terminé. On a une minute de pause. Allez, on se voit au troisième. Le deuxième bloc est terminé. Donc là, on enchaîne le troisième. C'est les mêmes principes que les autres, mais avec des exercices différents. Donc, le premier exercice, cette fois-ci, en position de pompe ici, on amène les genoux à l'intérieur des mains et on revient le plus rapidement possible pendant minimum 40 secondes, donc beaucoup plus abdominal. Ensuite, on se place au sol, on vient d'amener les coudes le plus haut possible, les omoplates rapprochées, on pousse vers l'avant et on ramène, cette fois-ci, beaucoup plus musculaire, beaucoup plus postural. Ensuite, pour le troisième exercice, donc, un exercice un petit peu haltérophilie. On va aller le premier bloc de ce bloc-là, lentement, et le prochain, on va le refaire, mais beaucoup plus rapide. Donc, les genoux légèrement fléchis, les coudes levés, je roule les coudes vers le bas, je les amène vers moi et je pousse vers le haut et je reviens. Ensuite, nous allons utiliser la chaise pour le quatrième. On commence dans 2, 1, c'est parti, position de planche et hop, on ramène. Hop, hop, hop. Allez, on regarde le rythme, on peut aussi le faire. Rapprocher et on ramène. L'important, c'est de rester en position de planche, les mains sous les épaules, les abdos engagés. Allez, allez, on regarde le rythme. C'est parti, hop, hop, on peut aussi alterner. Allez, wouh, les bras commencent à sentir beaucoup plus. On lâche pas, on lâche pas. Encore 10, 9, 8. On peut aussi faire 50 secondes ou la minute au complet. Dans 4, 3, 2, 1. Pour le prochain, donc je rappelle, sur le ventre, on pousse donc les bras vers le haut. Un, on ramène comme ça ici, donc les omoplates rapprochées. On commence ça dans 10. Vous voulez prendre votre pause là, c'est permis. Vous voulez continuer jusqu'à la fin, allez-y dans 5, 4, 3, 2. Abdos engagés, les pieds au sol. C'est parti, allez. Allez, on regarde le rythme. On regarde le sol. Vous remarquez que mon cou est bien aligné avec mon tronc. On ne lâche pas. Encore quelques secondes. Nous avons maintenant fait 20 secondes. Minimum encore 20 secondes à faire. Si vous voulez prendre une pause, vous le faites. Mais c'est important de repartir plus fort. Allez, on ne lâche pas. Encore 10 secondes minimum. On va y arriver. On ne lâche pas. Dans encore 7, 6, 5, 4, les autres qui veulent continuer, allez-y, sinon on va remontrer l'exercice. Donc profitez-en pour vous le pratiquer, donc avec conserve ou des poids que vous avez chez vous. Coude, on roule, abdos engagés et je pousse vers le haut. Je peux également m'aider avec une petite propulsion des jambes. Donc, on est fatigué, c'est important de bien engager les abdos. Attention dans 2, 1, c'est parti. Coude, je roule et je pousse. Je ramène tranquillement. Donc, coude, roule et pousse. C'est parti. Allez, on roule, on pousse. On déroule, on roule, on pousse. On ne lâche pas. Allez, si vous voulez en faire plus, vous pouvez commencer à prendre le rythme. L'important, c'est coude en premier, ensuite vers le bas. Allez, une bonne prise large. Encore 10. On va aussi mettre un petit peu de puissance. Commencez à fatiguer. Hop, hop. On ramène. Hop, hop. Encore 20 secondes. Hop, hop. On ne lâche pas. Et le dernier exercice, donc on ramène la chaise près de soi pour des levées triceps. Donc, jambes 90 ou jambes éloignées. Le dos le plus près possible. Les épaules vers le bas. Et c'est reparti. Si c'est trop difficile pour vous, vous recommencez avec l'exercice du début ou la planche triceps pour le bloc 2. Encore 50 secondes. Allez, on lâche pas. Let's go. Allez, si vous avez des douleurs, comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer pour l'exercice du bloc 1 ou l'exercice du bloc 2. Allez, wouh, engage les abdos. Engage les triceps. On prend son temps pour bien les faire. On ne lâche pas. Encore 25 secondes. On ouvre la cage thoracique. Ça brûle, ça brûle. Ça va bien. Encore 20 secondes. Ça va bien. Si vous voulez prendre une pause, vous pouvez, c'est permis. Allez, encore 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, allez, 3, 2,
1. Wouh! Troisième bloc de complété. Félicitations. On lâche pas. Super. Il reste un seul bloc à faire avant de te retourner au calme. Donc, pour les exercices, vous avez... On va changer encore pour l'exercice premier. Donc, cette fois-ci, c'est des burpees. Donc, position push-up. Je sois en planche. Je ramène mes jambes en alternance ou rapprochées et je saute. Vous pouvez faire en push-up ou avec la chaise. De mon côté, je ne le ferai pas. Donc, en position, vous pouvez soit faire push-up, hop, et remonter. Donc, ça, c'est pour mon exercice. Le deuxième, au sol. Donc, bras, jambes alternés. Donc, pendant que je lève mon bras droit, je soulève mon bras gauche et je recommence de l'autre côté le plus vite possible. Les quatre membres ne se touchent pas le sol. Mais vous pouvez aussi prendre une pause quand vous voulez. On va refaire ensuite l'exercice d'élévation et pousser des poids qu'on a fait au bloc 3. Et on va terminer ensuite pour un exercice de planche, tape, épaule. Donc, on commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez pour les burpees. On ne lâche pas. Descend et on remonte. Hop. Beaucoup plus explosif. On en fait le plus en minimum 40 secondes. Allez, abdos engagés. Je peux aussi être en position abdominaux. Prendre la chaise. Allez, le plus vite possible. Les mains alignées aux épaules. Allez, encore minimum 15 secondes avant de se replacer. Wouh! Faites attention au tapis. Des fois, il peut décoller du sol. Allez, encore 5 secondes. Wouh! Minimum dans 4, 3, 2, 1. Excellent. Donc, on s'installe au sol. Il faut encore prendre 6-5 secondes pour terminer ou le faire au complet. Donc, au sol, bras et jambes alternées. Donc, le plus vite possible pendant minimum 40 secondes dans 2, 1, c'est parti. Allez, on regarde le sol. Pieds pointés vers l'arrière, les mains vers l'avant pendant encore minimum 30 secondes. Allez, on rapproche les avant-plates. Vous voulez prendre une pause? C'est permis pour repartir plus fort. Allez, on ne lâche pas. On regarde le rythme de la musique dans le fond. Allez, encore 15 secondes minimum. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Vous pouvez continuer, vous prendre votre pause. On s'en installe avec les poids. Si vous voulez aussi améliorer cette technique, vous pouvez aussi le faire sur les genoux. Donc, à chaque fois que vous tirez, vous poussez, hop, hanche et on remonte, hanche. Donc, ça, on peut aussi rester debout. C'est parti. Donc, pousse les hanches, reviens, pousse les hanches, ramène. On recommence, pousse les hanches, hop, pousse les hanches. Allez, on garde le rythme, pousse et pousse. Donc, de côté, ça ressemble à ça. Donc, pousse et pousse. On garde le rythme. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi faire debout. Vous pouvez aussi faire à genoux. Donc, pousse, ramène, pousse. Une bonne façon de travailler votre exercice d'haltérophilie. Allez, hop, hop. On ramène l'abdos engagé en tout le temps. On descend, allez, hop. Et hop. Encore 20 secondes. Vous pouvez continuer ou vous préparer pour le prochain exercice. Donc, le dernier, ça va bien aller. Allez, donc cette fois-ci, en position de planche, sur les genoux ou sur les orteils. Et on tape les épaules comme ceci. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Dernière minute, on lâche pas, on garde le rythme. Vous êtes capable. Donc, de côté, à quoi ça ressemble? Hop, comme ceci. Allez. Pendant encore 50 secondes. On garde le rythme. Ça va bien. Ça va bien. Et vous allez vous balancer un peu de gauche à droite. Donc, on veut contrôler cette résistance le plus possible. Le plus droit, moins bougé possible. Les doigts pointés vers l'avant. Allez, encore 35 secondes. On garde le rythme. C'est le dernier. Là. C'est le dernier exercice. Passez-y. Allez, on ne lâche pas. Encore 25 secondes. Woo! On respire. Abdos engagés. Ça va bien. Ça va bien, encore 20. On peut aussi faire sur les genoux. Allez, mais les abdos restent engagés. Fessiers engagés, encore 10, 9, 8, 7,
6, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Wouh! Félicitations, vous avez complété vos 4 blocs. Donc, là, nous allons maintenant tomber en retour au calme pour rester sur les genoux ou debout. Je trouve ça un petit peu plus relaxant quand on est à genoux. Donc, à l'inspiration, le plus possible. Et on expire. On se remet sur nos talons et on recommence. Deuxième fois. Cette fois-ci, je viens amener mon coude à l'opposé comme ceci. Je m'assure que mon coude est vers le bas pour détendre les épaules. Et ma main sur mon omoplate opposée et je maintiens la position pendant 30 secondes. J'espère que vous avez apprécié l'exercice de haut de corps. Sinon, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, il y a aussi les défis des pompes, les défis push-up. Il y a également les entraînements avec poids, avec charge que vous pouvez utiliser aussi. Donc, ça c'est tout sur la page YouTube, mon PSP BFC Bagotville sur YouTube. Visitez également notre page Facebook. On commence à avoir plus d'abonnés, donc allez, on est chercher les 100 abonnés, on lâche pas. On relâche l'autre côté. Également pour vous détendre. Comme je l'ai mentionné tantôt aussi, vous avez l'exercice mobilité des épaules sur YouTube qui peut être super intéressant pour vous. Vous pouvez aussi aller voir l'exercice de yoga de notre spécialiste en conditionnement physique, Zoé Grenon. Vous avez l'embarras du choix. On se détend. Cette fois-ci, les mains vers l'avant, donc on détend les poignets. On lève vers le haut. On respire, ça va bien. Moi j'ai eu chaud, je sais pas pour vous. Probablement aussi avec mes manches longues, mais ça c'est un autre dossier. Convaincu que vous avez autant su que moi. Excellent, on se relève un peu. Cette fois-ci, bras droit bras ou bras gauche vers l'opposé. Donc on veut garder déjà contraction des abdos pour ne pas s'affaisser. Donc on vient étirer les muscles grands dorsaux ici. Il y a aussi le dentelé. Il y a beaucoup de muscles superficiels et profonds de ce côté-là. De l'autre côté, on inspire. Expire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Si vous avez des demandes spécifiques, si vous recherchez des conseils spécifiques, vous voulez faire pour l'entraînement, aussi contactez-nous à cdecoteau.psp@commercial.outlook.com. Donc, restez à l'affût. Il y a des lives aussi à chaque semaine. On a aussi des rencontres avec Jean-François Saint-Amand et Marc-André Boudreau-Rasmussen, notre moniteur de conditionnement physique. Donc, je vous dis tous bonne semaine. Faites attention à vous et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.